parole de Dieu pour soirée et que vous déjà prenez disposition pour rejoindre avec plusieurs amis qui habitués suivent nous chaque mardi soir à partir de l'heure ça pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. Et pendant qu'on a fait remarque ça, on a demandé de joindre dans le link hbctoday.com et puis partager avec tous les amis qu'on a gagné sous le network pour que vous-même soyez capables de rejoindre nous pour soirée pour l'étude de la parole de Dieu. Nous espérons nous déjà en onde pour faire ça. Et maintenant, je vais vous quelques instants, ou même qui est dans la salle, ou même qui est là, pour être capable de connecter avec tous les amis qui suivent nous sur Facebook, ou YouTube, et en même temps tout sur Radio Brillance, pour que nous capables ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour étudier la parole de bon Dieu à soi? Dans des deux amen seulement dans salam dame mais dans des plus. Est-ce que nous prêts pour nous étudier parole bon Dieu à soir? Amen. Nous prêts que les amis captant de nous là caillou a bien content tandis que m'pa pour compte moi nous là pour nous aider faire étude là pour soirée. Nous espérer tout bon vrai que étude ça va une bénédiction toute spéciale pour chacun de nous. Et juste toi avant que nous rentrions dans étude nous pour soirée, permettez-moi de vous faire remarque ça. Série, ça en a fait sur l'eschatologie et plus particulièrement sur la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, c'est une série qui était programmée depuis l'année dernière sous requête d'un diacre l'Église qui était insisté pour nous faire une série sur l'eschatologie. Malheureusement pour nous, pendant la série à fête, il est en voyage pour l'éternité. Mais dans la mémoire, nous avons continué avec elle parce que nous avons planifié pour nous faire de cette manière. Et pour que nous continuions à étudier la parole de bon Dieu. Et il était peut-être, c'est bon Dieu qui t'a inspiré la série ça pour aider nous tous préparer pour le retour de Jésus. Et si Jésus pas retourné, c'est comme ça tout le Cavini là avec nous avant de retourner sur terre. Parce que les mêmes gens, les mêmes, il était allé dans la gloire. Et nous connaissons dans la présence de Dieu. Et nous-mêmes qui l'a préparé nous pour ce jour mémorable et glorieux. Donc, j'espère maintenant, nous tous, nous étant branchés, nous live, et qu'on y a, nous pourrons aller directement dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons demandé notre bien-aimée sœur Raymondville, il va camper, faire lecture ça pour nous, dans Apocalypse chapitre 20, nous avons lu les versets 1 à verset 15. Nous avons tout, lu tous les versets, et c'est là que nous pourrons continuer quand on était campé semaine dernière. Apocalypse, on a bay moun ki la kayo attend, yo ton petit temps pour yo joindre, joindre texte là. Apocalypse chapitre 20 verset 1er jusqu'à verset 15. N'a va lire pendant plusieurs fois et au même qui a lu, nous espérer que à la fin de série ça ou fin mémoriser Apocalypse chapitre 20. Est-ce que nous sommes prêts? Vas-y, notre bien-aimé sœur. Après ça, nous voyons un ange descendre sur le ciel-là. Il y a quelqu'un clé pour retour sans fond dans le même, ensemble avec une grosse chaîne. Il prendra bon, c'est quand qu'il a depuis longtemps, ça y aurait le diable-là, aussi dans Satan, il mettait dans la chaîne pour 1000 ans. Verset 3. Zanjlan voye l jete nan gwo trou san fon, li femen troua a kle, epi li pose sele sou li. Konsa dragon, pap kapab pran tèt nasyon yo tout otan 1000 lanea pa fin pase. Apre sa, yo gen pou yo la gel anko pou yon titan. Verset 4. Le sa, mwen wayon bon fotey, moun ki te chita sou fote yo te resevoa pouvoi ran jijman. En menm tan tou, mwen wè nan moun yo te koupe tèt yo. Paske yo tap bay verite Jezu te fè nou konnen ansanm ak parol bon Dje ya. Moun sa yo te refuze adore ni bèt la ni estatil la. Yo pat resevwa mak bet la sou fon yo, ni sou men yo. Yo leve soti vivan,
dans la mort. Il a gouverné avec Christ là pendant 1000 ans. Verset 5. L'autre moyen pas levé sorti vivant dans la mort tout autant 1000 ans pas passé. C'est ça y aurait les premiers levés vivants sorti dans la mort. Bénédiction pour monde qui a participé dans le premier levé vivant sorti dans la mort ça. Yo c'est monde bon Dieu vrai. Deuxième la mort pas gain pouvoir sur yo. Yo pour le servir bon Dieu à Christ là tant qu'au prêtre. Yo pour le gouverner avec pendant 1000 années. Le 1000 années yo va fin passer, y a la Satan sorti dans prison. Le ça la marché trompé toute nation tout partout sur la terre. Gog ak Magog l'assemblée yo pour le camener yo goumen y a en pile tant kou grain sable volan men. Verset 9 yo marché sur toute la terre yo sené pote peuple bon Dieu y a teye a la ville bon Dieu remen an. Mais du feu descend sorti dans ciel là li disparaît yo le ça yo prend Satan qui était à la tête yo jeté dans les temps du feu à souffle là. Même côté yo était déjà jeté bête là ak faux prophète là. Yo pral souffrir en pile, la journée coule en nuit pour tout temps. Après ça, moi voyons gros fauteuil blanc ak moun ki te chita sou li a. Ciel là ak terre prend courir devant, yo disparaît net aller. Après ça, moi voyons tout moun ki te mouri yo grand compiti campé devant fauteuil là. Yo l'ouvri yon bon livre. Après ça, yo l'ouvri livre qui gen nom moun ki gen la vie yo. Yo jige tout moun mouri yo d'après ça yo te fait, d'après ça qui te écrit dans livre yo. Verset 13. La mer remet tout moun mouri qui te nan fond li. La mort a pote mo yo ye a remet tout mort qui te nan men yo. Yo jige tout mort sa yo d'après ça yo te fait. Après ça, yo jeté l'amour ensemble à côté moi yo hier dans les temps du feu. Les temps du feu ça, c'est lui-même qui deuxième l'amour. Verset 15 pour finir. Tout monde qui pas gain non yo écrit dans livre qui gain non monde qui gain la vie, yo jeté yo dans les temps du feu. Parole bon Dieu. Amen. Amen. Semaine dernière là, nous connaissons dans cadre étude ça, nous t'ai considéré ensemble et portion que nous extrait de Apocalypse chapitre 20. Et à ce moment-là, c'est là que nous allons recommencer. Nous avons fait une brève récapitulation de ça que nous avons dit la semaine dernière. Et ensuite, nous allons rentrer dans la partie qui est préparée pour soirée ça. Nous avons parlé la semaine dernière de période ça, côté que le millénium, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, a régné comme roi des rois. Et maintenant, on a fin période ça, puis au millénium, non? Pral gon rébellion que Satan pral déclencher. Et c'est ça, nous réveillons la rébellion finale. Nous songez, nous t'ai mentionné ça, la rébellion finale. Et c'est lit, nous saute lit là, dans Apocalypse chapitre 20. Et nous t'ai expliqué qui genre que rébellion ça pral. Qui objectif li, c'est que premièrement, li pral offrir opportunité pour la manifestation du dessein de Dieu. Nous songez, nous t'ai dit ça semaine dernière là, et pour qui ça? Parce que Satan pral juger, les anges li yotou yo pral juger. Et ensuite, nous dit période ça tout, li pral confirmer la méchanceté du cœur de l'homme, parce que gen nan yo même pendant le millénium qui a rejeté le Christ. Nous songez, nous t'ai dit ça, pas vrai? Et ben, nous connaissons raison fait même en particulier nous pral rejeter le Christ, c'est parce que Satan pral relâcher, nous songez ça, pas vrai? Si nous d'accord, si nous songez, dit amen, nous connaissons. Satan pral relâcher, et maintenant, selon le texte, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 20, il pral investir le camp des saints, et puis il pral qui ça stimuler quelques monde pour rejeter Christ. Là. Particulièrement, les descendants de rachetés qui va trouver yo dans le millénium. Est-ce que nous clair jusqu'ici, c'est pas vrai? Et c'est là nous t'ai campé semaine dernière là pour que me reprendre pour que nous ca retrouver nous
côté nous yé pour soirée. Certainement, peut-être, vous mettez sous tableau déjà pour nous. Et ensuite, nous avons dit que l'un arrivé dans phase ça, nous prenons arriver dans cette période que nous relais les conditions qui j'en éternelles. Les conditions éternelles. Et c'est yo, nous avons étudié ensemble semaine dernière là, conditions éternelles, yo, nous avons quatre dans yo en particulier. Premièrement, nous parlons de des résurrections corporelles. Qui t'a fait sous quatre phases. Nous songeons, nous t'ai mentionné ça, ma propre brièvement, pour nous qu'à songer côté nous. Les résurrections corporelles qui sous quatre phases. Nous t'ai première phase là, nous t'ai dit d'abord, c'est remonter dans le temps, au premier siècle, côté Christ lui-même, il était ressuscité comme le prémisse de qui ça? De notre résurrection. Puisque lui-même, il était ressuscité, c'est preuve tout que nous-mêmes, tout n'a bien pour nous ressusciter. Est-ce que nous clair avec moi? Pas vrai? Deuxième, et notez par nous plusieurs textes pour nous te lire, 1 Corinthiens 15, verset 20-23, et Romains 6, verset 4 à 9, et que c'est nous pas pour retourner sous l'air. Mais ça qui est intéressant, nous, dans le cadre d'étude, dans cette deuxième phase-là, c'est la résurrection, thank you, my dear sister, la résurrection des saints du Nouveau Testament. Faut nous dire ensemble avec moi, mon bien-aimé, qui j'étais bien loin là, s'il était capable de bon ici, t'as de me balancer ça là. On nous fait ça pour moi. La résurrection des saints. La résurrection des saints du Nouveau Testament, selon 1 Thessaloniciens chapitre, n'oubliez le texte, oui, chapitre 4, lis la seconde vision, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, verset 18, parce que le texte a dit, la trompette sonnera, et après la trompette sonner, ça peut arriver, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous autres, qui pas qu'on mourir, qui s'est arrivé, n'a changé, n'a transformé pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Ça, c'est révision qu'on a fait. Nous tous, nous connaissons. Nous mettons mes yeux, nous connaissons côté texte. Ça, oui. Troisièmement, nous t'ai parlé de la résurrection des saints de l'Ancien Testament et de ceux qui pourront ressusciter pendant la période que nous relais, la période de la grande tribulation. Ou bien qu'on ne peut pas ressusciter nous, mais qui va le convertir pendant la période de la grande tribulation. Nous songez bien, l'Église enlevée, n'a pas récapitulé encore, parce que nous voulons nous songer très clairement, l'Église enlevée, et bien ça a été après l'Église finie enlevée, qui ça peut arriver? La tribulation sur la terre, et pendant la période de la tribulation, il y a des gens qui prennent converti. Nous, tout nous faut, nous finissons fort là, donc maintenant nos diplômes, nous, à la fin d'études là, comme théologiens. Donc à partir de cette période, nous avons dit qu'il y a deux positions concernant Santarelli, la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Il y a deux positions. Il y a des gens qui pensent, théologiens, je t'ai mentionné la semaine dernière, pour nous encore très brièvement, la première position, c'est que il y a des gens qui pensent, il y a des théologiens qui pensent que tout saint Ancien Testament, tout a ressuscité à l'enlèvement. Nous songeons qui j'en pas vrai, l'enlèvement, Jésus vient de la trompette sonner, les morts en Christ. Eh bien, à la lumière de texte que nous avons lu tout à l'heure, il n'a pas semblé le tenu. Position, ça n'a pas tenu. Deuxième position, c'est lui qui semblait plus tenable, parce qu'il dit les morts qui, de l'Ancien Testament, selon Daniel, chapitre 12, versets 1 et 2, eh bien, les morts qui étaient dans la poussière de la terre, pas vrai? Ils ont tout, ils ont gagné pour eux. Ressuscité, alors Jésus retourné, vient mettre pied sous terre la seconde fois. Donc nous d'accord, et Apocalypse chapitre 20, verset 4 que nous sortons tout à l'heure, il mentionnait ça, c'est que c'est pendant période ça maintenant, tout le monde qui était soit dans l'Ancien Testament mourit, ou bien encore qui les serviteurs, là nous dit les serviteurs du Seigneur, monde qui mettait confiance dans mon Dieu, et ça qui était converti, qui mourit pendant la période que nous relais, qui j'ai encore la grande tribulation, et bien monde ça y pral ressuscité pour rentrer dans le millénium. Est-ce que ça clair avec nous, pas vrai? Et puis, deuxième position, nous croyons que c'est l'équipe. Puis, nous demandons plusieurs textes. Nous disons, nous allons lire. Parce que nous ne pouvons pas lire les textes pour nous. Nous demandons plusieurs, nous allons lire. En particulier, le psaume 16. Combien d'entre nous avons lu le psaume 16? Personne ne peut lire. Psaume 16, demandons verset 8 à verset 11, dédiant à l'île. Et Esaïe chapitre 26, verset 19, ma propre pour nous. Jean 2, verset 19 à 21, yo sous tableau, hein, avec technologie, juste fait une photo, et puis vous avez gagné toute référence sous téléphone, nous, ou qu'a gagné, vous pas chargé pour ça, vous mettez fait photo, qu'il y sous téléphone. Et ensuite, Jean chapitre 6, verset 39 à 40, et Jean 11, verset 25, et ensuite, 2 Corinthiens 5, texte ça, nous, tout le monde qui parle dans le ciel, besoin qu'on ait. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à verset, c'est que nous connaissons, texte ça. Et c'est lui-même seulement, nous prenons le lit à souhait avant de nous entrer dans la deuxième partie. 2 Corinthiens
N'a demandé si pas gagne monde nous chercher lui m'a ban nous petit temps pour nous chercher lui. 1 à verset 5. N'a ban nous petit temps pour nous chercher lui. 2 Corinthiens 5 verset 1er à 5. Qui parlait de la résurrection qui Jean corporel. C'est pas vie spirituelle non mais plutôt qui Jean corporel. N'a bon corps et c'est ça texte ça parle. Oui. Val. Nous connaît le corps nous gain sous la terre va démolir tant qu'il y a un caille. Bon Dieu serait un autre caille dans ciel là. Un caille bien solide cap là pour tout temps. C'est lui même cap bâti caille ça pour nous. Kouliya ma pleine en pile. Si tellement ma vie entrer dans caille moins gain dans ciel là. Comme ça le ma rentrer là-dedans, yo pas joindre moi tout tourner. Verset 4. Oui. Tout autant ma vie dans corps moins gain sur terre, ma pleine tant pour monde qui en bas un chai. Ça pas veut dire moi ta remet ou était corps ça sous moi, mais moi ta remet plutôt mettre corps moins gain dans ciel là sous moi. C'est comme ça. Tout ça qui gain pour mourir dans nous va disparaître dans la vie. Verset 5. C'est bon Dieu même qui paraît nous pour châtiment ça. Li ban nous Saint-Esprit tant pou yon garantie pour tout bien li serré pour nous yo. Amen. Amen. Donc Paul commence cette section ça avec parole ça qui montrait que corps ça nous gagnant c'est qui ça considéré comme outante. Et s'il détruit, c'est-à-dire cher ça li aller qui ça gagne un autre corps, un corps céleste. Elle parlait d'une demeure céleste, elle parlait de l'autre corps que nous gagnons, qui est approprié, qui est adapté pour l'éternité. Est-ce que nous comprenons ça, me dit, pas vrai? Donc, nous avons gagné un corps nouveau. Et le nous ressusciter, c'est pas même vieux corps, ça, comme moi, hier. Je toujours dit, nous, ça, bon, ici, là. Mon qui pigou, n'est pas passé mieux, mettre fait tant et banda au bon, ici. Mais le, dans la résurrection, ma monde qui pique costaud dans le m'a pas mentionné l'autre monde qu'on est monde qui pas content avec moi même qu'on est ma pie jump passé yo au nom de Jésus n'a d'accord avec moi nous dit amen nous pas d'accord OK mais c'est une plaisanterie mais nous connaît que quoi ça que nous gagnons maintenant sur terre la transformé donc c'est ça l'apôtre Paul et prend tout le temps ça pour nous garder texte pour nous montrer que il y a ce que nous appelons une résurrection corporelle des chrétiens les morts du Nouveau Testament les morts de l'Ancien Testament et ensuite ceux qui va t'a converti qui va mourir tout pendant la période que nous relie la grande tribulation. OK. Maintenant, tu as une question qui t'est posée dans le dérivé là la semaine dernière et me t'a remis pose pour un petit temps pour répondre. Maintenant bien qui t'est posé question en li pas là. Mais m'a posé question même sur compréhension mais qui Jean t'ai posé. Parce qu'on nous a dit pendant la période ou bien encore le millénium que gagnait monde qui a encore rejeté Christ. Nous songer ça à la fin du millénium Satan pral gagner pour le relâcher et pendant période ça il pral séduit en pile monde. Et bien frère t'ai posé question la question lance li vraiment logique. Dit que mais dans le millénium c'est les élus qui a rentré qui j'en fait pour moun ka gen privilège pour le rejeter Christ. Et pas gros question pour poser, c'est question pour tout le monde qui a réfléchi poser. Et bien mais qui j'en nous essayer expliquer pour lui s'il parle là peut-être l'attendait et côté lié la suivre gen moun qui était besoin réponse dans tout d'amener nous suivre. Nous te dit mais qui ça ne veut faire remarquer moun qui rentré dans le millénium il y a bien un corps glorifié qui même Jean avec corps Adam te gagné avant la chute. Nous comprenons ça me dit pas vrai parce que avant la chute Adam te gagné un corps qui te permet de communier avec Dieu qui Jean journellement. C'est pas un corps des chutes en nous aujourd'hui mais c'était un corps qui était adapté pour l'éternité. OK, nous t'ai expliqué ça non. Dans l'étude antérieure, selon Genèse chapitre 1er, verset 26 à verset 28. Je ne vais pas prendre le temps pour lire, je connais en pile dans nous la mémoriser Genèse, mais Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, bon, je lis verset ça pour nous. Mais qui ça le dit? Pour les gens qui connaissent très bien, le texte a parlé de qui ça? De la mort ou bien de la création? Je vais tester mes mémoires, je vais tester de la création de l'homme.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme, mais regardez ça bien, à son image, il le créa à l'image de Dieu. Pour quelle raison toute répétition ça? C'est parce que grand vérité profonde que l'a dit la donne, parce que l'homme gagne la Kaili, quelque chose d'éternel. Et donc, les bons Adam te crier, les pas de crier dans condition moi avoir nouillé, jodi en là. D'ailleurs, les nous prenons nous étudier et nous étudier la vie de nos premiers parents. Adam te vive jusqu'à combien d'années encore pour montrer que ça n'a pas dit en lui semblé livré, qui ça le dit. À combien de temps Adam te vive? 930 ans. Jusqu'à 930 ans. Tu es gagné un seul qui te vive plus longtemps passé Adam. Jéred, c'est le fils, on a allé dans chapitre 5 ans, on a besoin de réponse là. Dans chapitre 5 ans, c'est le fils de Seth. Et il y a une petite Seth qui était relégé. Jéred, c'est monsieur seulement qui était vivant 962 ans. Ça veut dire nous. Ça veut dire qu'on remarque que l'homme t'a vivre longtemps, parce que quand il t'a vivre là-dedans, pas ton corps déchu. Donc, pendant la période millénaire, nous finissons de ressusciter, nous n'avons pas un corps comme ça encore, nous avons un corps qui était plutôt même genre avec corps Adam t'a gagné avant la chute. C'est la première partie. Deuxième partie question. Même pendant le millénium, eh bien, l'homme, bon Dieu, pral quitte yo avec sa nous t'arrêle le libre arbitre. Dans le jardin d'Éden, l'homme te crié avec qui ça nous étudier déjà avec le libre arbitre. C'est ça, veut dire qui ça? L'homme te gen doit obéir, comme ça, il doit tout désobéir. Et songez bien dans Genèse chapitre 2, bon Dieu pral dit à Adam, nous connaissons parole ça, on va seulement répéter ça, nous connaissons déjà. L'idée dit à Adam, qui ça? Où il doit manger de tous les arbres du jardin? Excepté de qui ça? De l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que mon prédicateur qui fait plaisanterie ça, permettre-moi de faire tout pour me faire nourrir, est-ce que tu en mangeras? Certainement, semble-tu mourir, parce que nous tous avons mouru, pas vrai? Ouais, c'est ça, l'homme t'est mangé vraiment, et par voie de conséquence, l'homme mourit. Mais si l'homme pas te manger le fruit défendu, l'homme t'a vivre qui Jean avait des possibilités pour le vivre éternellement. Parce que c'est tellement vrai que le bon Dieu finit chasser l'homme du paradis, mais nous changer bagaille ça, pas vrai? Qui ça le fait? Il prend l'arbre de la vie, parce que tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le paradis, et ensuite tu as l'arbre de vie. Donc il prend des chérubins avec épée bien filée dans les mains pour veiller l'arbre de la vie pour que l'homme ne rentre pas là encore. Pour quelle raison nous pensons ça? Mais étudier ça, c'est mes bras, nous m'avons testé. Parce que si l'homme dans condition péché qu'on y a, là, il mange l'arbre de la vie, ça va arriver. La vie éternellement dans condition péché. Est-ce que nous comprenons pas vrai? Donc, Dieu, même là, en Éden encore, Dieu a manifesté sa grâce. Donc, l'homme a exercé son libre arbitre et Dieu a exercé, qui Jean? Sa grâce. Est-ce que nous voyons pas vrai? Le libre arbitre de l'homme avant la chute. Et après la chute, moi-même, Jean-Martin Luther, il dit libre arbitre avant la chute et libre arbitre après la chute. Voilà pourquoi même dans le millénium, l'homme peut gagner encore le libre arbitre. Il doit choisir pour suivre mon Dieu. Qu'on sait à tout, même Jean, il a entendu la voix de Satan qui côté premièrement, en nous aider moins. Dans le jardin d'Éden, qu'on sait à tout dans le millénium, ça qui voulait tous vraiment ça fait, il a entendu tout. La voix de Satan. Il y a un auteur, un grand théologien, lire les périodes ça, période dernière, période ça de la, du millénium, lire la Pentecôte satanique. Je ne pas fin d'accord avec l'expression, non, mais c'est comme ça. Pour qui raison? C'est parce que l'esprit Satan prend tellement visible, en pile, mon vrai, si il n'y a pas de jambe, il y a succombé. Et c'est ça qu'on parle de jeune en pile, qui succombait pendant la période du millénium, et puis qui prend le camper dans le camp Satan. Ou yo al opposé yo à Christ. Est-ce que ça clair pour nous, pas vrai? C'est la question, et c'est la deuxième partie question. Donc, comme les descendants des élus,
Parce que ça qui est élu et lui net, il n'y a pas rentrer dans le camp Satan. Mais les descendants des élus qui viennent qu'on y a qui gens avec le libre. Papa nous perdit le libre habit, qu'on y a qui doit choisir, suivre par un conservateur qui doit choisir. Papa, est-ce que nous ne pouvons pas vivre avec ça aujourd'hui? En pile, si nous grandit la caille, nous dans l'évangile, nous menons à l'église. Les arrivés dans l'âge 18 ans, ça va faire. Vous prenez route. Parce que vous avez le libre arbitre. Bien soit choisi, vous dites à faire bon Dieu, à faire l'église, là, ça n'a pas pour vous. Et vous avez même ça pour le répéter encore, même dans le millénium. Donc malheureusement, frère Manuel, il parle à ça. C'est la réponse. Et vous joignez ça dans Apocalypse chapitre 20, verset 7 à verset 10, quand il va montrer que Satan a une influence telle que l'a investi le camp des saints. Et en pile, moun vraiment pral succomber et yo pral joigne yo au camp de Satan. Et ça pral rive yo, nous connaît conséquence là, qui ça pral rive maintenant. Yon feu pral sauti, nous saute li texte, qui côté dans le ciel là, parce que c'est de la rébellion finale, pas bien encore, c'est dernière rébellion. Eh bien, le feu ça pral qui ça consumé ni Satan. Bon, on nous dit Satan parce que excepté Satan parlant parce que nous prenons le vivre devant, nous devons être arrivé trop loin. Il prend le consumer toute armée, ça, cette armée qui était soulevée contre Christ. Mais Satan prend le gagner l'autre sort qui ça, il prend lié maintenant, il prend la gueule dans les temps de feu et de soufre avec Zanjo. Est-ce que l'idée est claire pour nous, pour question? Donc, pour qui raison ça t'est arrivé? Oui, est-ce que le possible? Certainement, premièrement, parce que bon Dieu. Pas jamais retirer sans relais le libre arbitre chez l'homme. Avant la chute, le libre arbitre. Après la chute, le libre arbitre. Dans le millénium, qui c'est encore? Excepté que pour les élus, le pape a changé quand encore parce que le sceau du Seigneur déjà sous yo. Mais leurs descendants, nous te répondons ça dernièrement, Isaïe, nous te mentionné ça, que les gens qui vivent dans la période, ça, qui mourent il y a 100 ans, c'est un coup son jeune timon. C'est un jeune timon. Ça veut dire que les gens vivent longtemps. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que la question est claire pour nous? Non, si les frères ont besoin de réponse, qui parlent à ce frère, donc nous avons partagé la veille dans l'autre occasion. Mais maintenant, nous devons considérer tout dernière partie qui la résurrection, ouais, la résurrection des anciens de l'Ancien Testament, des saints de l'Ancien Testament, des saints du Nouveau Testament, des saints de la grande tribulation qui étaient convertis. Maintenant, gagnons dernier groupe. C'est résurrection de qui est-ce? Des damnés. On go to the next slide. La résurrection des condamnés. Parce que gagner sauvé, depuis gagner sauvé, en même temps, tout a gagné qui ça? Condamné. I know I'm live, but je vais demander de nous faire quelque chose. Même temps, mais deux, trois mouns chita dans le ça pour moi, tout, because that helped me pour me arrêter centré. Non, screen. But when all of you are this way, because I have the tendency of looking this way, and I don't look at the screen. Donc, when you come here, on nous spread, on répare ton seul côté. Nous mettons spread, c'est à la bonne, bon ça là. Ok, merci. On nous continue, on va répondre à la dernière partie ça maintenant, la résurrection corporelle des damnés. Et c'est ça que nous relais en théologie, là, et dans le texte de l'Apocalypse, la seconde mort. La seconde mort. Golem t'est mort, ou bien vous-même, parce que nous pouvons mourir, je prends ça comme illustration, ou bien parents, yo, là, qui sont morts en Christ. Ça relais qui, Jean? La première. Bon, ils ont mouru. Mais après la première mort, ils ont même pral qui s'acquit en Christ, ils ont pral ressuscité. Mais le tout le monde s'est fini ressuscité. Jean nous saute mentionné à la période de l'enlèvement. Ça pral ressuscité après la fin, dans la période millénium, non? Pas vrai? Durant la seconde venue de Jésus. Et maintenant, qu'on pral gon dernier groupe qui pral ressuscité tout. Et c'est ça, ils ont pral ressuscité pour connaître la seconde mort. Parce que vous êtes mort, vous êtes mort. Quand on a dit là, je dis, il y a des gens qui mourent, pas mourir en Christ. Les gens, il y a des gens qui viennent ressusciter pour recevoir le jugement. C'est ça l'Apocalypse, vraiment, en pile, les gens ne peuvent pas lire, mais c'est ça qui est vrai. Il y a pour recevoir sans tension. Nous sommes les textes,
ou même qui est en retard, nous sommes l'Apocalypse chapitre 20, verset 5 à verset 6, parler de ça, nous dit là, la résurrection corporelle des condamnés, des damnés. Nous parlons premièrement, événement ça va arriver, qui le? Qui le événement ça va arriver? Premièrement, il va arriver à la fin du millénium. On nous dit ça avec moi, à la fin du millénium. Donc, 1000 ans pour l'accomplir, et il y a une première action pour l'accomplir après que bon, Christ fin craser rébellion, ça, par vrai, nous sommes dernière rébellion. Et bien maintenant, qui ça va arriver? Tout le monde qui pas mourir en Christ, il va ressusciter. Et après, ils ont fini de ressusciter. Ce n'est pas ressusciter pour venir marcher sur la terre. Pour qui ça va marcher pour ressusciter? C'est pour le jugement. Et c'est ça, nous, les bons que nous parlons entrer tout à l'heure, comme ça, dans l'Apocalypse chapitre 21, nous parlons arriver dans le grand jugement, le jugement du trône plein. Et texte mentionné dans verset, on va aller là dans encore, chapitre 20, on va lire jusqu'à verset. Verset 11 jusqu'à verset 15, qui parlait du jugement. Oh, mes amis, nous, là, n'abdomme. Du trône blanc. Grand jugement, ça, que Christ lui-même, libéral, préside. Mais, gagné, permettez-moi de faire une petite remarque, ça, c'est important pour, pour nous. Nous-mêmes qui en Christ. L'apôtre Paul, dans l'être écrit chrétien Corinthien, dans 1 Corinthiens chapitre 6, par contre, combien dans nous, il y a temps pour nous, pour prendre temps pour l'île. Il remarque qu'il fait la donne. Il dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Ça veut dire. Là, on prend ton garder et portée spirituelle, portée théologique. Moi, avec vous, je vais servir comme juge tout pour nous juger les anges déchus. Je n'ai pas besoin qu'on ait, si c'est dans Supreme Court, ma pied. Oui, on nous mettait dans le langage que nous comprenons. Ou bien, on a dans le cours circuit. I don't know. Nous n'avons pas besoin qu'on ait qui Jean le pralier. Mais nous, qu'on ait pralier dans différents départements. Quand les chrétiens, tout, ils ont pralier jouer rôle. Ah, si vous pensez que je forger l'en aller dans 1 Corinthiens chapitre 6. Let's go there. Si vous avez l'île déjà, ou qu'on ait, ça m'a dit, ou met dit. C'est ça qui fait extrêmement important pour vous-même qui en Christ ou rester en Christ. Donc on est des chrétiens qui sont dans l'église pendant longtemps, qu'on quatre mari trois qui ça a fait. Nous mettez des nous perdit bah là nous connaît depuis quatre mari trois ça a fait. Yo rachement yo que nous comme ça veut dire quatre mari trois et si yo mon a gon ti maladie, yo prier il pas guéri, là ca docteur pas guéri et bien gon troisième côté pour l'aller. Nous connaît ça haïtien nous comme ça m'a dit. Malheureusement, je te dis ça la fois, nos messages de prêcher bon ici là, en pile haïtien pas qu'à descendre Haïti encore. Mais dans l'idée de gen botanica, nous connaissons ça m'a dit, pas vrai, gen quelques bagay même dans diaspora que haïtien transporté avec elle parce que le connaît le cas joindre refuge là-dedans. Mais m'a pas encourager monde qui en Christ rester en Christ. Pas quitter Satan virer l'horloge. On nous regarde dans verset, on a lu verset 1 à 3 pour mettre dans le contexte, c'est pas vrai? M'appelez pour nous. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ici, ça c'est sacré le texte à lire, c'est texte que nous utilisons pour résolution de conflits parmi les chrétiens. Ouais, tout conseiller en domaine théologie, et bien c'est un texte qui est utilisé en pile pour montrer que les chrétiens ont un problème, c'est entre eux-mêmes, ils ont résolu. Ils ne peuvent pas le prendre l'autre monde. Deuxièmement, ne savez-vous pas que les saints. Regardez, est-ce que nous l'avons, pas vrai? Ne savez-vous pas que les saints jugeront qui est-ce? Le monde. Ah, ça nous connaît que ceux-là qui sont morts sans Christ, ils seront jugés. Et j'ai l'impression que Christ prend le chita sur le grand fauteuil. Eh bien, certains, c'est l'impression que je dis parce que je ne connais pas, pas l'ex-cathédra, mais je dis que il y a des gens qui ont des fonctions bien déterminées. Ou après, c'est voir peut-être une centaine de milliers pour le juger, et ainsi de suite. I don't know. Pas dit que pour pas besoin d'un verset qui. Corroborer samedi en là, même qu'un doit spéculer sur lui de cette manière. Mais ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre de jugement? Verset 3.
ne savez-vous pas que nous jugerons qui ça? Les anges. Nous avons deux fonctions. Nous jugerons le monde, c'est-à-dire les inconvertis, les damnés. Nous avons une fonction, les saints, nous avons une fonction, la dame. Et ensuite, nous avons une pour juger les anges. I don't know who. Même qu'on est ceux qui sont en Christ, qui mourent en Christ, c'est Christ qui n'a pas signé responsabilité. Pas venir dire qui est. Pas commencer à le goûter pour pouvoir dans le ciel. Là. Okay? Est-ce que je me dis ça là, pas vrai? Ouais. Nous connaissons nous bons dans ça. Nous connaissons qui est ce qui a juge. Ah, il n'y a pas besoin de connaître. Nous aurons la fonction de juge, selon ça Paul dit là. Et là, pas qu'on est qui m'a guère la pied, mais cependant, nous jugerons les anges déchus. Donc, à ce bouquet de raisons mentionnées, c'est que puisque nous avons une fonction importante, ça, faut mener back nous bien bon ici. Faut rester en Christ pour nous capables de arriver. Traverser la ligne finale, ça capable d'exercer responsabilité. Ça. Bon, nous retournons dans le texte côté noté. Donc, nous dit que jugement, ça a bien lieu, qui l'est encore à la fin du millénium. Et ensuite, la bien lieu, chaque monde, ça yo. Ensuite, il y aura le gagné, il y a encore immortel. Mais si j'ai regardé l'expression que m'utilise, et c'est sa théologie, on a utilisé tout, il y a un corps immortel et non glorifié. Il y a chrétien, il y a un corps glorifié. Nous songeons, nous sommes considérés ça antérieurement dans la révision de notre affaire. Nous avons dit que l'homme, avant la chute, il était un corps, le corps adamique avant la chute, il n'y a pas de corps, ça que nous avons aujourd'hui, hein, mais il était plutôt un corps glorifié. C'est-à-dire, il y a quelques limites que nous avons aujourd'hui. Avant, nous avons 18 ans mourir. Avant, nous avons 100 ans mourir. Nous sommes gardés. Il y a Adam qui a 930 ans. C'est le ça. Jérôme qui a 900, combien de dit encore? Examen. Moi, si nous sommes gels. 962, il y a 5 dollars après service. Donc, il vient prendre moins. Ok, ben moins l'autre là. Mais touchez là. Merci. Ok, mais touchez là. Il y a 900. Bon, avec dit, ou deux 5 dollars. Ou deux 5, nous deux 5, nous chaque. Ok. Donc, à remarquer ça, m'a dit, c'est que quoi? C'est qui ça? Donc, quoi dans tes gagnants? Pas de semblant, quoi, frère, tes gagnants, ni quoi, pas non. Donc, mais dans le millénium, eh bien, moun sa, qui finit de mourir maintenant, après le jugement, avant le jugement, il prend l'investir d'un autre corps encore immortel, mais non glorifié. Pour qui raison? Parce que il doit al. Dans le jugement. Et vous devez payer peine. Donc, si vous avez un corps qui a détruit, donc l'enfer n'a pas de sens encore. Immédiatement, mettez les piles fondes. Et c'est ça, Jésus pral dit dans Luc chapitre 16, lui pral décrit la condition éternelle des damnés et la condition éternelle des élus. Il pral décrit ça, on a pral retourné dans le texte tout à l'heure. Donc, mentionnez-le, c'est parce que pour ne pas avoir aucune ambiguïté là-dedans, quand il s'agit du corps que vous-même avez gagné, l'arrivée dans l'éternité, et corps, monde qui part en Christ, vous gagné, l'arrivée dans l'éternité. Chrétien a gagné un corps qui j'enlève encore? Glorifié. C'est corps glorifié, nous, hein? L'issemblable, soit aller dans Jean chapitre 20, et chapitre 21, make sure que vous citez vrai texte. Jean chapitre, let's go here. Il semblable avec quoi Jésus t'a gagné après la résurrection. Après la résurrection, qui s'est noté remarqué, il y a plusieurs textes qui sont nous, parce que maintenant les apparitions que Jésus pral fait, ouais, dans chapitre 21, mais à partir du chapitre 20, il parlait de sa résurrection, et particulièrement à partir de dans verset 24, côté que dans disciples étaient en dedans maison, toute porte fermée, et puis qui s'est passé? Il présentait sans porte par ouvrir, comme ça, il a traversé muraille. Les limitations que moi avons nous gagner encore ça, nous pas gagner encore. Et c'est ça que quand nous dit comme ça, il peut adapter à l'éternité. Donc nous allons rentrer dans l'éternité avec. Or, pour les non-croyants, les condamnés, il y a bon corps tout. Mais comme ça, il peut glorifier parce qu'il est sujet à la maladie,
li ka sub ki mwen ke itilize ekspresyon sa, li ka sujet a la soufranse, paske nan, nan, le, dan l'anfer, y ap pral senti la pen, y ap pral senti douleur la. E kor glorifiye li pa gen soufranse sa anko. An nou gade nan chapitre 21 de Apocalypse, ki se pou dekri sa msot di an. Men ki sa Jean te rapporté dans chapitre 21, Apocalypse 21. Les versets que nous connaissons, depuis qu'on a funéraire, il n'y a pas parlé verset ça. Il n'y a pas parlé verset ça. À partir du verset 20, il dit, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Même Jean s'atteyait dans le jardin d'Éden, dans le paradis, pas vrai? Dieu était là constamment. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4, c'est l'âme de besoin qui s'arrive. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura qui ça, plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Mais qui s'est privé pour quoi non glorifié que incrédule gagnant? Il y a bien douleur. Pour côté nous joindre, on allait dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Nous connaissons histoire ça très bien. Son histoire que nous connaissons, c'est la parabole de qui ça, monde qui compte Bible très bien. De Lazare, du pauvre Lazare et de l'homme riche. Là, Jésus décrit dans la parabole ça deux conditions conscientes que l'homme connaît après la mort. Nous dit deux conditions conscientes. Il y a une condition consciente pour le croyant, les élus, les sauvés, pas vrai, les rachetés, qui gagnent un corps, qui j'en ai encore glorifié, et il y a une condition consciente pour ça, il y a qui pas en Christ, sans que l'homme riche, qui gagne un corps, qui j'en non glorifié. Il y a un corps glorifié, il n'est pas sujet à la souffrance, à la douleur, mais corps non glorifié, le sujet. Ça, et ça nous prend le garder dans le texte. Luc chapitre 16, verset 19, verset 31. Maintenant, nous avons un petit temps pour nous joindre, et les gens qui la caillent nous va prendre un petit temps pour nous chercher ensemble avec nous. Luc chapitre 16, verset 19 à verset 31. Vas-y. Voilà, c'était un homme riche qui était qu'on habillé à belle toile rouge et blanc qui était coûté cher. Chaque jour, c'était gros fête bamboche la caille. T'es gagné un pauvre, il était relé Lazare qui était couché dans papote, un homme riche là. Lazare était couvert avec malin. Il était bien en vie. Plein ventre li ak bagay ki tap soti tombe en bas tab nom riche la. Sa ki pi red, chen tap vin niche maleng li yo tout. Verset 22. Pov la vin mouri, zanj bon Dieu yo potel mette bo kote Abraham nan ciel la. Nom riche la mouri tout, li yo enterre li. Pendant te kote tout moyo yea, nan mitan souffrance, li voyait gel bien loin li wè Abraham ak Lazare ensemble ak li. Nom riche la rele. Abraham, papa, ki pitié pour moi non. Voyait Lazare trempé ti bout dwèt li nan yon ti tas d'lo pou le mette yon frèche sou lang mwen parce que c'est pati soufri m'ap soufri nan flamme sa. Verset 25. Abraham répond li. Petit mwen, change bien ou te recevoir tout bon bagay pa ou yo pendant ou te sous la terre. Le sa même Lazare te nan tout misère. Koulia li joine consolation bo ici là ou même ou a souffri. Et puis tout gayon gros trou qui sépare nous avec ou. Kon sa pa gen moyen pour moun sot ici là pour y al joine nous. Ou sinon pour moun ta sorti côté ou hier pour vinn joine nous. Nom riche la dili, tan pri Abraham papa, voye Lazare kay papa mwen. Mwen gen 5 fwè, mwen ta vle li al di yo, jan bagay la ye pou yo, pa vini sit nan touman sa. Abraham repon li, yo gen Moïse ak profet yo pou aveti yo, se pou yo koute yo. Li di li, non papa Abraham, yo pap koute. Mais si yon nom, si yon nan moyo al joine yo, y a changé la vie.
verset 31 pour nous finir. Mm-hmm. Le ça, Abraham dit lui, si yo pas écouté Moïse à prophète yo, yo pas quitté personne l'autre fait yo ouais vérité. Li ta mette yon mot qui ta li ta met yon mot qui ta levé vivant encore. Yo pas écouté. Mm-hmm. Amen. Si yo pas attendé Moïse avec prophète yo, même si yon mot ta sorti ou même si yon moun ta sorti nan la mort vin parler avec yo, yo pas écouté. Le thème verdict là c'est que sous tendez la parole de Dieu pendant leur patrie ou pas accepter c'est pas le yon moun pral sorti nan vin faut connait pour sorti nan la mort vin expliquer le pour connait parce que la parole de Dieu li vivante li claire li assez clair c'est pas ça besoin explication n'a pas expliqué plutôt maintenant le et cette deux conditions nous dit que nous relait deux conditions qui genre consciente parce que les hommes leur ressuscité ou bien corps est-ce que Lazare a un corps. Selon le texte, ça c'est nous pour aider. Est-ce que le corps qui colle des gagnants, selon le texte? Il y a un corps glorifié, parce qu'il est trouvé lui qui comptait dans la présence, dans le sein d'Abraham. C'est ce lieu de paix, ce lieu, m'a dit, de béatitude, ouais, de béatitude éternelle. C'est on dit, ces gens, ça Jésus décrit ici. Et maintenant, et l'autre, l'homme riche, est-ce que le corps conscient, dans condition consciente? Certainement. Est-ce que Col n'a été capable de souffrir douleur? Est-ce que le décon était capable de souffrance? Qui s'attaque sans dire nous? Monsieur était tellement en souffrance qu'il obligé de demander aide. Il soif de l'eau. L'Apocalypse dit nous sur là pour le monde qui est en Christ, il n'y a pas ni cri, ni douleur, pas vrai? Ni souffrance, ni peine, ni soif de l'eau. Je vais ajouter ça, parce qu'il n'y a pas de l'eau, ni soif de l'eau, pas de la donne, parce que n'a pas satisfait, parce que n'a avec bon Dieu, donc avec, puisqu'on a avec bon Dieu, pour, donc on a condition de béatitude éternelle. Est-ce que ça clair? Pour chrétiens, donc ça c'est encouragement pour nous rester en Jésus-Christ. Donc pour le monde qui ne comprend ça, Jésus, et peut-être c'est ça, c'est pas, peut-être même, tu es utiliser métaphore ça pour décrire réalité que nous les réalités métaphysiques, réalité spirituelle ça qui mettait en évidence condition la vie l'homme après la mort. Il y a deux directions que Jésus parlait de yo, c'est yon ou aller ici selon texte encore dans la présence de Dieu ou bien ou séparé de la présence de Dieu et ce lieu de tourment. Dans l'autre question qui t'est posée et qui dans cadre réflexion ça, eh bien le monde mourit en Christ ou bien le monde mourit même qui côté croyoyé, côté monde qui sauvé au côté croyoyé et monde qui perdu au côté croyoyé parce que texte là pas bail explication ça d'une manière claire pour croyoyé seulement nous parler maintenant dans cadre Jean nous a expliqué là de deux corps que nous y a recevoir après la mort, il y a son corps qui glorifié et un autre non glorifié. Eh bien, on nous garde ici une répondre question ça avant que nous aller passer dans l'autre aspect si nous gétant ou bien si une question nous va prendre. Where will be the body of the saved and the lost before the resurrection? Parce que dans période avant la résurrection, quand pile monde qui mourit en Christ. Mentionnez quelqu'un nous connaît boy cette là moi qui mon coca dit mourir en Christ comme membre l'église. Fait la fortune qui demande nous pour nous faire étude ça série ça et puis il dégage il quitte nous pour compte nous boy ici là. OK? Monsieur al dans la gloire. Qui l'autre monde encore que nous connaît? Nous mettons pas besoin pas mentionner. D'ailleurs c'est pas où faire décision si mon al dans ciel ou là dans l'enfer. N'a seulement selon compréhension on pensait mon salité en Christ. Donc on a dit que mon ça li OK. C'est un word. OK. On a mentionné plusieurs. Donc on est plusieurs dans qui allait. OK, plusieurs nous a mentionné. Mais personne pas jamais mais moun di moun yo mouri al dans l'enfer. Nous connait ça m'a dit pas vrai? Personne est-ce que simplement do la dit ou moun nous penser là comment ou pas dit parce que gen doit ses famille you don't want anybody to know que famille ou pas en Christ. Mais cependant réalité a ou pas capable contourner l'irréel. Ou mouri en Christ ou aller dans la présence de Dieu ou pas ou mouri sans Christ ou aller en dehors de la présence de Dieu. Eh bien, qui côté croyoye? Et ça a demandé pour nous répondre. Daniel, dans Daniel chapitre 12, verset 1 et 2, lui parlait, lui exprimait l'idée que le corps de l'homme, lui était qui côté? Dans la tombe. Nous mettons ça avec moi, qui côté croyoye? Dans la tombe. Ça, eh bien, corps physique, là, nous fait ça, nous fait expérience chaque jour. L'un a l'intérêt, mon cimetière, côté nous déposer. Dans le tombeau.
Et quand on même t'as parlé avec lui, lui dit il par contre pour qui raison haïtien leur fait funérailles c'est ça qui est plus cher pour acheter. Par contre pour nous là non parce que par contre si il y a monde mourir si nous qu'on acheter ça quelque chose pas parler avec nous. Mais haïtien toujours c'est qui plus cher pour aller. Et monsieur gont pompe funèbre. Il connaît ça l'a dit. Juif là l'est venu. Il bien plus l'argent que haïtien. Il prend un petit casque tout blanche pour aller mettre. Ou dépenser $25,000, lui-même il dépenser $2,000. Il gagne plus qu'on passe. Seulement parenthèse, mon frère. Monsieur t'a fait remarquer, c'est que si nous te connaissons ça, c'est seulement le rétérité là. Pour qu'il soit obligé à faire tout paquet de dépenses ça. Et puis après ça, moun qui est derrière ou pas même qu'à manger. Matière à réflexion. Ce n'est pas ça l'étude là. Eh bien, le yon moun mouri, quel que l'te en Christ, quel pat en Christ, quoi le qui côté dans le tombeau. Gen théologien qui vina avec yon l'autre théorie, que yon dit que yon lieu que nous relè un lieu intermédiaire. Un lieu intermédiaire. C'est un coup son salle d'attente, quoi la donne, ou mette l'an tombe gon façon, ou lui transforme la la donne. Mais la Bible pas enseigné ça. La Bible pas enseigné ça. Et il y a quelques même théologiens médiévaux et jusqu'à aujourd'hui qui croient que et nom nan tout ou bien nom non excusez-moi pour le fin dans partie ça li pas aller dans la présence de Dieu là aller non côté que nous relé on état intermédiaire encore. Et il y a quelques qui ont épousé la théologie catholique qui pensait que gon salle d'attente qui relé qui genre le pur catoire et là faut aller purger par le mot c'est purger même aller purger toute peine nous qui j'en peine ça purger nous étudier boy site là déjà. Faut venir, faut chanter messe pour, faut payer cob. Faut payer cob pour faire ça pour nous parce que pour l'aile là la purger bien qu'on y a pour se retirer le côté lié à chanter messe pour et puis et pour déposer l'argent dans la basket là nan qui était dans peine côté le déal sorti dans purgatoire l'aller dans paradis. La Bible enseigne ça. Ça est causé fab. Donc, l'idée, c'est que quand tu es en Christ, quand tu pas en Christ, l'homme mourit, qu'on a arrêté dans le tombeau. Témoin de Jéhovah, gagner et perspective, yo souli. Et il y a d'autres courants religieux qui ont perspective. Mais on a considéré ça. La Bible dit nous, l'homme mourit, corps saint, ni corps et monde qui prend le condamné. Yo rete dans le tombeau. Bon nous deux plusieurs textes, bah Genèse chapitre 3 verset 19, m'a connait si gon monde qui voulait lire texte à moi. Daniel chapitre 12 verset 1 et 2 que nous t'ai lu la semaine dernière, m'a connait si nous voulait lire rapidement, c'est de ça on a pris seulement l'autre nous va lire la caille. Et Job chapitre 21, bah moi met texte ça, m'a soumettre li bon nous pour nous lire la caille nous particulièrement. Et Job fait allusion à ça tout. Est-ce que gon monde qui voulait lire Daniel 12 1 et 2? Parce que l'on a étude biblique pour lui, ce n'est pas moi seulement. De nous tous qui travaillons ensemble. Vas-y. Daniel 12, verset 1 et 2. Zange qui te gen rad soi sous l'IA, dit encore, le sa, Michel gros zange kap veye sous pepoua apparaît. C'est pour lui en tant que serré, moun pour que chamoué depuis yo sous la terre. L'Elea va venir, va arriver. Tout monde qui fait partie peuple wa et puis qui gain non yo écrit dans livre bon Dieu va sauver verset 2 en pile nan monde qui t'est mort déjà yo pour lever vivant encore gain là-dedans yo qui pour jouir la vie qui pas jamais finir gain l'autre qui pour honte yo pour souffrir avilissement qui pas jamais finir. Parfait. Nous j'ai décrit deux conditions. Pas vrai, nous avons tout deux conditions là, oui. Même créole n'a pas rendre libre moins Jean version française là-bas, non l'autre français original là, mais il parlait de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Quand pour qui ils ont parlé de ceux qui dorment dans la poussière de la terre parce que c'est le verdict que mon Dieu t'a prononcé contre l'homme dans le jardin d'Éden. Tu es poussière, tu retourneras où ça? Dans la poussière. C'est clair, créole n'a pas bande lui comme ça, le traducteur n'a pas penser dans son sens. Mais c'est ça lié vrai, oui. C'est que moun qui mourit, hein, côté chrétien, côté pas chrétien, puisque c'est ça, bon Dieu te dit, c'est ça qui a privé. Ou doit retourner qui côté? Dans la poussière. Les hommes inventaient l'autre bagaille. Ils mettaient au nom, ils mettaient ça encore. Tikaï mausolée, pas vrai? Que le mausolée ou pas, ou retourner poussière? Quand même. Il y a des gens qui ont fait discussion, ils ne peuvent pas enterrer en bas terre.
Par contre, si voisine moi là, pas elle là, je dis, tu as mentionné ça. Gen moun, yo pa vle san batay, yo vle se ki kote. Kote en l'air, kote en bas, ki sorye, poussière. That's it, poussière. C'est ça la parole de Dieu dit. Donc les hommes, quel que soit, ça doit être clair pour nous entendre l'autre courant théologique, c'est ça la Bible enseigne. Pas quoi m'en temps pour mal lire l'autre verset encore qui est Dieu pour nous étudier. Ce texte ça dans le texte de Daniel, il décrit événement eschatologique, bagaille qui vient pour arriver parce que il décrit ça après les périodes ça que période difficile, la grande tribulation, parce que c'est ça oui qui va le conduire à la seconde venue de Christ, c'est ça Daniel écrit là et puis il montrer les conditions éternelles. Est-ce que nous clair là, pas vrai? Deux conditions. Ça yo qui en Christ, il a ressuscité pour la vie. Et l'autre, regardez, j'en le décris. C'est la peine, c'est la douleur. Ma qu'on expression, quand j'en le dis, j'en le dis là, pas tant pour l'île. C'est manger dedans, manger dedans, c'est consacré à la Dieu. Grincement dedans, ok, mais grincement dedans, c'est français, manger dedans, c'est créole. Mais, il y a une deuxième partie. Quoi dans tombeau? Nous d'accord, dis amen, tout d'accord. Quelque soit tes belles, tes belles là, I don't care. Je regarde ce jeune mat qui regarde là. Nous matons how beautiful you are. On a besoin qu'on est. Qui soyez poussière. Et me partager avec nous, me partager avec nous. Non, c'est moi quelque temps de ça. C'est monde qui a songé. J'ai dit que c'est Dr. Evans, il m'a trompé, qui t'a fait remarque ça dans l'administration. Il a dit nous coûter seulement $0.75. C'est prix ça avant nous on s'achetait qu'on y a pas même vos ça même 75 cents nous tout qui là ils sont s'achetoyer ou pas qu'on ouais ou pas qu'on ouais les fait les bon nous qu'on ouais ça m'a pas même on s'achète un petit bocal me fait expérience là déjà les au cri mettre monde pas vrai yo mettez long petit bouteille me songe quelques temps de ça madame Claude Noël mouri yo cri mettre boire dire yo mettez dans qui ça un petit bocal il pas même on s'achète non. Vous comprenez ça, ma bien, pas vrai? Et c'est, quel que soit grandeur, $0.75. C'est ça, monsieur Teddy. J'avais dit, nous pas besoin de faire grand chiré, nous pas vaut plus, parce que ça. Vous mettez un maquillé, deux maquillés, faire n'importe quoi, l'oralia, c'est qu'ils sont en commission, mais dites-moi, poussière. Nous toutes nous parlons. Mais gon partie la kay nous rele la partie non matérielle. Partie matérielle, là, c'est qu'on l'a, li pralé dans la tombe. La brite là jusqu'à la résurrection. Mais vous partie non matériel là, c'est ça nous nom nous avec esprit nous qui s'acrivait pour le croyant là les qui côté selon un texte nous sort Luc combien encore chapitre 16 verset 10 qui côté monde qui esprit nous nom nous aller qui en Christ qui côté aller dans la présence de Dieu nous doit ça doit clair pour nous sans aucun doute. Ça c'est première partie pour les sauver ma examen. Qui côté corps sauvé aller dans la tombe et qui côté nom ni esprit aller qui côté dans la présence de Dieu. Bon, ça dépend m'entrer dans l'autre domaine mais m'a seulement mentionné parce que plusieurs monde qui suivent, il y a monde qui pas croire que homme gagne trois parties. Yo croire que c'est deux. Nom là avec esprit à pour yo, certains yo fait un seul et puis gagne croix et puis l'esprit et l'âme yo font un seul partie. M'pas rentrer dans domaine ça, c'est pas la dame seulement mentionné pour qu'on ait une différence, gagne plusieurs qu'on gagne monde qui dichotomique qui croit que comme fait deux parties, gagne l'autre c'est trichotomiste yo. Yo croit que l'homme gagne trois parties. OK, n'apprendre dans ça ce sujet on l'autre étude. Mais deuxième partie que je vais mentionner pour nous clore pour soirée, c'est que état de monde qui part en Christ. Ils n'ont pas allé dans la présence de Dieu, mais ils ont allé qui côté dans un lieu de tourment éternel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus même qui dit. Et d'ailleurs, Jésus t'a dit li, à disciples, et dans la révélation que le bail Jean lui rappelait encore pour montrer nous que son vérité. Dans le texte que nous sommes gardés là, on nous retourne dans Apocalypse chapitre 20, et on a retourné là-dedans encore pour nous le dernier texte là. Jean en vision en lui dit. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, pas vrai? Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. C'est-à-dire tout le monde pralvin, qui côté Frère Dumé, en jugement. Tout, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, sans exception de personne, tout le monde.
Des livres, ici, il dit des livres furent ouverts. Des livres, c'est-à-dire, livres, ça, les pral gain dans le la donner tout le monde qui part en Christ. Et ensuite, un autre livre. Le livre qui, j'en relis le livre, ça encore. Comment dit-il ce qu'on est? Le livre de vie. Le livre de vie, il n'a pas dit ça dans le texte, mais c'est ça même, l'a dit. Et un livre fut ouvert, celui qui est le. On lui dit ça plus tard. Qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. En d'autres termes, œuvres ou après qui côté ma sister, dans le livre de vie. Œuvres moun qui partent en Christ, côté œuvres après qui a écrit dans les autres livres. C'est-à-dire les jugements, les déclarations, les. Nous habitués avec moun qui dans le tribunal en Haïti, que greffier au compte combien de livres, pas vrai? Quand on essaye d'écrire, qui même ici dans le tribunal, ici comme avec technologie, il y a pas écrit livre. Quand on met sur le computer, mais il y a dossier. Tout le monde a dossier. Dossier, ça va pas paraître devant Christ dans le tribunal. Mais ça que Ben la donne, c'est que moi avec vous, prix peine noire, il était déjà payé déjà qui côté au calvaire, Christ était déjà prend. Donc nous pas pas le juger pour nous condamner. Nous avons jugé maintenant pour nous recevoir qui ça? Les couronnes. Et ceci selon nos œuvres. Est-ce que nous voulons dire ça encore? Le chrétien, monde qui sauve, l'a pas le juger, mais c'est pour lui aller recevoir couronne, c'est-à-dire son remise de diplôme. Vous avez fait A plus dans tout examen. Vous avez A, vous avez A, vous avez A, premier rangé, deuxième rangé, troisième rangé, selon les hiérarchies. Céleste, là, par contre, qui j'en lié, mais imaginez-le comme ancien professeur. Donc, il y a des gens qui, premier dix élèves, des gens qui fait, te consacrer leur vie, qui est martyr pour Christ. Mais comme ça, l'autre qui part en Christ tout, ils ont pral jugé selon leurs œuvres. Et moi-même, verset 14, là. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et Brémen te dit ça la semaine dernière, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit qui côté. Donc, s'il n'a pas trouvé dans le livre de vie, dans qui ça le trouvé? Les livres, les autres livres qui gagnent les œuvres des hommes pendant qu'ils ont parcouru la terre, ils ont gagné temps pour faire méchanceté, ils ont gagné temps pour faire tout ça qui pas de gagner, eh bien, le ça maintenant, œuvres, yo pral, dit qui côté destination finale, yo yé. Ceux qui joignent non dans le livre de vie, yo pral, où ça? Dans la présence de Dieu, et ça qui partent dans le livre de vie, ils pourra aller en dehors de la présence de Dieu, séparé de Dieu pour l'éternité. Ils pourra aller dans ce lieu de tourment que Jésus décrit pour nous dans Luc chapitre 16. Semaine prochaine, on a continué. Le nous déjà arrivé, mais pas faire overtime aujourd'hui, on a fait overtime, mais on a prêté là pour soirée. Et étude l'en rappeler nous pour clore que si nous besoin à le passer éternité bienheureuse, éternité vive dans un état de béatitude éternelle, qui ça nous besoin fait? Rester dans pied Christ là. D'accord? Quimber la foi, persévérer dans la foi. Mais si nous pas persévérer dans la foi, non nous abdans, qui ça dans qui livre? Dans les livres. Et là, ça nous prend les œuvres nous, c'est-à-dire nous rejeter l'œuvre de Christ au calvaire. Et bien maintenant, les œuvres nous pral condamner nous. Parce que pour le monde qui est en Christ, Christ est déjà subi condamnation pour vous au calvaire. Et là, il te dit, tout est accompli. Ma campé là, si vous question, ma prends seul. Et puis, n'a prêté là pour soirée. Si pas une question, nous promets sur même qui t'a suivi nous sur. Facebook online ou bien sur YouTube, bien sur Radio Brillance. Merci d'être te rejoindre nous encore pour l'autre session d'études bibliques sur les conditions éternelles pour soirée, c'est ça que nous avons considéré à soirée, la seconde venue de Jésus et tout ça qui pral implique comme implication à la seconde venue de Jésus. Et nous espérons tout bon vrai que moi-même, ça m'a fait, nous préparé nous pour ce grand retour, ce jour glorieux, côté Seigneur à retourner pour venir chercher tout le monde qui te mette confiance dans lui. En nous continuer, mettez la foi nous dans Jésus, en nous marcher dans la consécration et en nous persévérer,
jusqu'à ce que Jésus retourne. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il fait nos grâces. Nous attendons de rejoindre nous encore mardi prochain, à même heure, 7h30 pour prière et 8h précise pour étude biblique.